Hey yo les loups, j'espère que vous êtes chaud. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous avez trouvé que mon inspiration était bonne ou pas bonne. Dites-le dans les commentaires, aimez, lâchez le pouce bleu, tout ce que vous voulez sur ce jingle. GBM, le GBM, c'est les loups GBM, le GBM, le GBM. Et si tu veux, tu peux t'abonner. Les gars, donc on se retrouve sur cette vidéo. Les gars, vous allez dire cette vidéo, c'est la vidéo du gobelin sorcier, voilà. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Gaëtan. Je sais pas du tout. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, les gars, on va regarder la vidéo ensemble. Donc, au début, on voit pas forcément grand chose. Donc, mais il va falloir, les gars, être attentif. Et c'est là que j'ai été attentif. Parce que si vous voulez, je cherche tout ce que je peux trouver sur les vidéos Supercell. Je les ai toutes regardées presque. Et quand je suis tombé sur celle-là, je l'ai regardée une fois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc ce bâtiment qui est au loin, caché, il ne montre pas, les gars? Alors, les gars, ça va bientôt y être. Ça va être là, les gars. Hop! Les gars, là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez, les gars? Eh bien, les gars, c'est pas compliqué. Vous voyez qu'il y a la tête. Vous voyez les montagnes dans le fond. Et alors, les gars, vous allez regarder au niveau du soleil. Et qu'est-ce que vous voyez au niveau du soleil, les gars? Qu'est-ce que vous voyez? Une espèce d'ombre que pour moi, j'ai certainement jamais vu. Vous avez vu? Avec deux choses au-dessus. Et je trouve ça énorme. Parce que, étant donné qu'il est dans le update d'octobre, ça veut dire que c'est possible qu'il y ait, qu'ils aient, voilà, mais bon, on est d'accord que j'ai essayé, les gars, de zoomer, vous verrez pas mieux, vous voyez mieux même quand c'est de loin. J'ai essayé de zoomer, vas-y, décale la caméra. Ah, oh, pas possible, ce chat. Donc, les gars, on continue, c'est pas grave, mais le truc de fou, les gars, c'est que c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Peut-être que c'est l'HDV 13, peut-être pas. Allez la voir, elle est sur la chaîne de Clash of Clans. Dites-moi ce que vous en pensez. Développez. Dites-moi, non Gaëtan, je pense pas que c'est ça. Si Gaëtan, peut-être que tu as raison. C'est peut-être une bonne piste. Moi les gars, je trouve que quand même, elle est catégorisée comme dans l'update d'octobre. Donc si elle est dans l'update de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Après les gars, fallait aller chercher. Fallait regarder vraiment attentivement la vidéo. Parce que ça passe quand même assez vite. Moi les gars, je pense qu'il y a moyen que ce soit, voilà, sur, on voit les gars sur la nouvelle, l'espèce de vidéo où il nous fait voir plein de choses, on voit énormément de trucs, et on voit surtout beaucoup de montagnes, beaucoup d'arbres derrière, là on peut voir beaucoup de montagnes, beaucoup d'arbres, est-ce que ce serait pas en rapport quand même les gars, c'est quand même, je trouve que ça fait quand même beaucoup de rapports les uns envers les autres. Moi, je pense que derrière ça, les gars, il y a à creuser. J'espère que cette vidéo va vous avoir plu en vous montrant cette petite image. C'est sûr que c'est pas la folie non plus. Mais je pense, les gars, qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Moi, je trouve ça, franchement ouf. Après, à vous de me dire, Gaëtan, non, je pense pas, tu pars trop loin. Je pense pas que Supercell aurait permis. Après, les gars, c'est vraiment une ombre. Hein. Vous voyez vraiment une ombre. Après, on voit, il y a deux espèces de choses au-dessus qui sont pas catégorisées comme d'habitude. Je trouve ça assez chaud, les gars. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, les gars, car toutes les vidéos de mise à jour seront en exclusivité sur la chaîne. On va essayer de, voilà, de faire ça en exclu. J'essaye d'être au grand tout. Arrête! Le chat, putain, de bouger la caméra, merde. Et on va essayer de faire un max. Les gars, je vous dis à bientôt et j'espère que vous êtes pressés pour l'HDV13 et je vous dis ciao ciao.